Salut tout le monde, c'est Niafit et on se retrouve pour un nouveau tutoriel présentation de mode du mode TL Special Armor. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce mode? En fait, c'est un mode qui rajoute des armures. Attendez, voilà. Qui rajoute des armures. Assez sympa. Alors je vais me remettre en mode survival. Et je vais directement commencer par la cape. Donc le craft, je vais vous montrer. Donc c'est du cuir comme ça avec des plumes. Ensuite, le speed leggings qui permet de courir plus vite. Avec deux plumes et cinq lingots de fer comme un casque. Le diving helmet qui permet de respirer sous l'eau avec un verre et la forme d'un pantalon. Le fireplate avec un seau de lave, un briquet et du fer qui permet de mettre le feu dans un rayon de 15, je crois. Les heavy boots avec du sable des âmes et du fer qui permet d'avoir un poids à nos pieds. Jump boots, donc avec du fer comme ça et des ressorts qui se font avec trois plumes et trois lingots de fer qui permettent de sauter plus haut. Les magic boots qui se font avec des magic substances qui se font avec des seaux d'eau et des seaux de lave, une terre, une boule de neige et une redstone qui permettent de par exemple si on marche sur un minerai, le minerai il pop et on n'a pas besoin de le miner. Si on marche sur du gazon, enfin sur de la terre sans gazon, ben ça fait apparaître le gazon, enfin voilà, ça fait à peu près ça. Les overboots, ça permet de marcher sur l'eau. Le obsidian plates, on ne prend pas les dégâts de chute. Le slime helmet, attendez, oui, je vous ai pas montré les crafts. Voilà, avec un seau d'eau, un seau de lave, des lingots de fer, des plumes. Donc qui permet de marcher sur l'eau. L'obsidian plate avec de l'obsidienne qui permet de ne prendre aucun dégât de chute. Le slime helmet avec des boules de slime et deux lingots de fer qui permet avec notre tête de coller sur le plafond. Le TNT plate, c'est le même concept que le fire plate, sauf que c'est avec de la TNT, donc ça fait tout péter. Le jetpack, ben je vous laisse deviner, hein, c'est pour voler. Donc ça se fait avec deux roquettes qui se font avec deux lingots de fer et une poudre à canon. Et un jetpack middle avec un casque, enfin du fer en forme de casque et un poudre à canon. Le pork helmet, pork plate, pork leggings et pork boots. Servent en fait si on a la tenue complète. Oui, c'est obligatoire d'avoir la tenue complète, sinon elle ne fera pas effet. Ça nous permet de régénérer deux cœurs toutes les je sais pas combien de secondes, je me rappelle plus si toutes les deux ou trois secondes. Les skates avec un lingot de fer de chaque côté et du cuir qui permet de ne pas déraper sur la glace. Le flower plate avec trois pissenlits et puis n'importe quelle fleur à côté qui permet de faire pousser des fleurs. Le time helmet avec du fer et une montre, je rappelle le craft de la montre, hein, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, qui permet d'accélérer le temps. Le double jump boots, donc c'est pour faire un double jump avec deux plumes et deux cuir, enfin deux plumes là, un cuir, deux plumes, un cuir. Ensuite, le cooked pork helmet, cooked pork plate, cooked pork leggings et cooked pork boots. C'est le même principe que les pork plate et que la viande de cochon pas cuite, sauf que c'est 4 cœurs au lieu de 2, donc c'est plus efficace. Le dispenser plate avec un arc, une plaque de pression et des dispensers, donc je rappelle encore le craft des dispensers et de l'arc, si vous savez plus. Cela permet que quand on a le dispenser sur nous et des flèches dans notre inventaire et qu'il y a un mob à côté, ça tire automatiquement sur les mobs. Ensuite, les chains qui se font comme ça avec 4 lingots qui servent à faire des cottes de mailles. Oui, on ne pouvait pas les crafter, maintenant on peut. Et donc voilà, c'en est fini pour les crafts. Et je vais maintenant activer un item de chaque. Hop. Hop, 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 hop. Ainsi que des. Creeper. Non, quoique, générateur de monstres. Non, pas celui-là. Zombie. Voilà. Et je vais prendre des flèches pour vous montrer. Qui sont là. Alors. Donc, la cape.
Attendez, je vais juste enlever ça. Juste mettre le jackpot 2 secondes pour poser un générateur de monstres. What? Ok, j'ai dû me tromper. Ah voilà, zombie. Ok, j'ai compris. Attendez, juste me remettre en game mode. Je vais me mettre en normal. Hop. La nuit. Mais on va pas faire ça tout de suite. Alors, je me mets en mode survival. Et donc là, vous voyez, je suis équipé de la cape. Et la cape qui permet de planer, tout simplement. Hop, vous avez pu voir la cape là. J'ai plané d'un arbre à un autre. Si je veux aller à cet arbre, voilà. Oh. Donc je plane sans aucun problème. Enfin, par contre, là, je plane plus. Voilà, donc la cape qui nous fait planer. Ensuite, le jetpack, donc qui sert à voler. On a juste appuyé sur espace. Voilà, et quand je lâche, je retombe. Donc, c'est un petit jetpack comme n'importe quel jeu. C'est super pratique, je trouve. Voilà. Ensuite, on va passer... Mais, je suis emboulé, moi. Au porc helmet, donc attendez, je me give des poissons de des potions de dégâts instantanés. Vous voyez là, j'ai pris des dégâts. Ben, je mets l'armure et vous voyez que j'ai regagné de la vie. Vous voyez là, il me reste un cœur et je regagne de la vie petit à petit. On voit pas, mais oh, voilà, oui, vous avez vu là. Normalement, il y a un petit 1 qui s'affiche. Bon, l'armure est... voilà, vous avez vu un petit chiffre qui s'est affiché. Donc ça, c'était la... pour quelle... enfin, l'armure en côte de porc. Maintenant, avec l'armure en côte de porc cuite, vous voyez que je prends des dégâts. Voilà, il me reste 2 cœurs. Et je vais régénérer beaucoup plus vite, vous voyez. Ouais, je vais... 2 cœurs d'un coup. C'est-à-dire 4 points de vie. Alors qu'avant, j'allais à beaucoup moins. Bon, c'est pas encore des armures très jolies. Ensuite, je vais vous montrer le TNT Plate. Quand on appuie sur la touche G, et bien voilà. Ça fait tout péter. Par exemple, si je laisse G appuyer. Voilà. Hein. Hop. Ensuite, je vais reprendre un jetpack pour remonter. Hop. Voilà. Hop, ça je m'en fous. Alors, maintenant, je vais aller dans l'eau. Mince, j'en avais vu tout à l'heure de l'eau. Ah. Elle est où? Bon, pas d'eau, c'est pas grave. On va pas chercher plus longtemps. On va juste prendre un seau d'eau. Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. Ok. Si tu veux. Donc là, vous voyez que je pose de l'eau. Je mets le diving helmet. Et on peut voir que je respire. Vous voyez, ma barre d'eau, elle est encore à l'infini. Hein, elle ne s'arrête pas. Donc voilà pour le diving helmet. Ensuite le double jump. Donc en fait ça permet de... Hop, si on fait deux fois espace, ça permet de faire un double jump. Hein, voilà, donc classique comme armure. Le speed leggings qui permet de courir plus vite. En fait c'est comme une petite potion de vitesse minière. Enfin, potion de vitesse 1, j'ai l'impression. Ensuite, le fireplate qui met le feu. Attendez, je vais me mettre au milieu des arbres. Je maintiens G appuyé. Vous avez vu? Ça met le feu partout. Bon, par contre, pour l'éteindre après,
On est dans la merde. J'ai pas envie de faire crash la map. Mais bon, c'est pas grave. On va juste éteindre là. Voilà. Ensuite, les Eevee Boots. Alors vous voyez, là je vais monter très haut. Hop. Et je vais vite enlever. Donc voilà, voilà, vous voyez, je suis dans l'eau. Je le lâche. Vous voyez comment je suis tombé vite? Oh, j'ai perdu mon stuff d'ailleurs. Donc voilà, je suis tombé super vite. Hop. Donc je vais rejeter ça. Donc Fireplay, tu montrais. Oh non, c'est la nuit. Ah c'est bon. Non, je ne vais pas mourir. Cassez-vous. Voilà, donc bien pratique le jetpack quand on veut s'enfuir de face à des zombies. Donc c'est le moment de vous montrer les hover boots qui permettent de marcher sur l'eau. Bon, par contre on ne peut pas sauter. Là j'ai le jetpack donc je peux, mais si vous n'avez pas de jetpack, regardez, là je peux pas sauter. Vous entendez ma barre d'espace, je ne peux pas. Voilà. Ensuite Flower plate, vous voyez, il y a des petites fleurs qui poussent. Par contre, oui, c'est dommage, il n'y a pas les fleurs de 1.7. Donc, si on joue à 1.7, il n'y a que des fleurs... Des coquelicots et des pissenlits, hein, voilà. Ensuite, donc, l'obsidienne plate, je vais vous montrer qu'on ne prend pas de dégâts de chute. Donc, si je fais comme ça, j'ai pris des dégâts. Hop. Et si je prends l'obsidian plate, attendez, hop, je ne pris aucun dégât. Ensuite, les magic boots, vous avez vu que, non, je vais creuser par exemple, hop, là vous voyez c'est pas poussé, si je marche dessus, hop, ça a poussé directement. On va essayer aussi avec un bloc de redstone par exemple. Je pose de la redstone, je marche dessus, et bien il y a la redstone qui pop, et ça la transforme en roche. Hein, voilà. Et donc après on a juste à la récupérer. Ce qui est aussi super pratique. Ensuite on va passer donc au jump boots. Donc qui permettent, si je maintiens espace... Donc là vous voyez hein, j'ai pas le jetpack hein. Je me mets là par exemple en haut d'ici, ici là, et je peux sauter haut, donc je maintiens espace. Bon, après je tombe, mais bon, si je maintiens espace, ça me fait planer pendant quelques secondes. Par exemple, si on veut, hop, éviter une source d'eau, genre on court là, il y a des zombies qui nous poursuivent, c'est bon, hop là. Ensuite on passe au dispenser plate. Donc là, vous voyez, j'ai deux stacks, deux flèches sur moi. Je vais prendre de la glace. Comme ça, je vais vous faire le truc d'un coup. Oups, j'en ai pas besoin de temps. Voilà, donc là, je vais mettre la nuit. Donc, vous voyez déjà que j'ai... voilà, les flèches partent tout seul. J'ai un dispenser plate et vous voyez que ça me consomme des flèches. Et si je mets de la glace et que je mets des skates sur mes pieds, ça me permet de sprinter et de m'arrêter automatiquement sans glisser. C'est comme un peu des patins. J'aimerais bien qu'il y ait des monstres qui pop. Regardez là, quoi. Les vaches, ça les tue directement. Et vous voyez que ça me consomme mes flèches. Pourquoi il n'y a pas de mob? Ah voilà, regardez là, il y a une araignée. Hop, là je ne touche à rien. Ça la tue automatiquement avec les flèches. Moi juste à récupérer les loot et je m'en vais comme une grosse tapette. Eh bien, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour
de toutes les armures. Et j'ai encore envie de foutre le feu partout. Hop là. Ça va tout cramer. Et je vais aussi prendre le truc à TNT. Super marrant ça aussi. Et moi du coup. Oh mince. Un mob. Oh mince. Mais pourquoi je fais ça moi? Je suis fou. Oh mince, mince. Bye tout le monde. Ah ouais là, ça fait plus effet. Mince.